Good morning, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le Nishmat Klot Shlomo Ben Shalom et Lucienne Batreina. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions ma Sechet Sota, Perekret Mishnah Zain. Bamedvarim Amorim, Bemilchemet Areshut, Bemilchemet Mitzvah, Akol Yotzein, Bafilu Chatan Mechedro, Vechala Mechupata. Amar Rabbi Yehuda, Bamedvarim Amorim, Bemilchemet Mitzvah, Bemilchemet Chova, Akol Yotzein, une Mishnah qui va être relativement facile à lire et traduire, avec une petite finesse pour comprendre. Dans quel cas ça a été dit? Soit on a pris un chapitre avec 6 Mishnayot entières, on a expliqué tout le rituel et toutes les instructions pour sortir en guerre des gens qu'on incitait à revenir chez eux, qu'on obligeait à revenir chez eux parce qu'ils ont. Tu as commencé à te marier. Tu t'es marié, t'as pas fini ton année. Toi, ta mitzvah pour le moment, c'est de t'occuper de ta femme, c'est pas d'aller combattre. Toi, t'as planté ton verger, ta mitzvah maintenant, c'est de profiter de ton verger, de manger les fruits, et ton devoir, c'est ça. Et tu dois pas maintenant repartir en. Tu dois pas partir en combat. Et comme ça, on avait vu les trois niveaux, ceux qui restent chez eux, ceux qui vont quand même aider à la frontière et réparer les routes et leur donner à manger et à boire, mais sans combattre, et ceux qui devaient quand même partir combattre. D'accord, on avait donc tout le rituel. Les gens qui étaient faibles, qui avaient peur de voir une épée, par exemple, et ainsi de suite. Et ça, on avait dit, donc, tout ce rituel-là, qu'on incitait beaucoup de gens à partir, on gardait que les vrais forts, une fois qu'on avait les forts, c'est comme la mission précédente, on avait dit que les forts, on les laisse, et on leur interdit de repartir en arrière. S'ils repartent en arrière, on leur coupe les jambes, comme ça, au moins, ça ne leur traverse même pas l'esprit. D'accord? Maintenant, dans quel cas on a dit tout ce rituel des sélections et des gens qu'on va renvoyer chez eux et tout ça. Bemilchemet Areshut, dans une guerre de Kireshut, okay. Comment dire, parvé, neutre, pas obligé, pas imposé. Par contre, après on va expliquer exactement c'est quoi. Aval Bemilchemet Mitzvah. Par contre, si c'est une guerre de Mitzvah, que la Torah nous imposait de faire la guerre, soit conquérir le Eretz Israël, ou encore vaincre Amalek, dans ce cas-là, Akol Yotzin, tout le monde doit sortir. Afilu Khatan Mechedro, même un Khatan qui vient de se marier, Vechala Mechupata, et même une Kala qui vient de sortir de sa Chupa. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait une Kala? Elle va partir à la guerre, elle va prendre une mitraillette. C'est quoi? C'est la honte. Une femme qui va servir à la guerre. Malheureusement, il y a deux pays au monde où il y a des femmes qui font la guerre. C'est la Corée et, malheureusement, Israël. C'est un grand problème, une femme ne doit pas prendre, l'épée pour partir en guerre. C'est quoi, cette histoire de Kalam et Chupata? Et comme ça, plusieurs méfarchim m'expliquent qu'il s'agit en fait, non, c'est pour partir, partez aussi sur le front pour aider, pour amener, préparer à manger, donner à boire, et éventuellement tous les différents travaux de défense passive. D'accord? Il veut aussi sortir, mais pas pour prendre l'épée et partir en guerre, il n'y a pas question, une femme avec une mitraillette, c'est pas, elle transgresse un interdit tout simplement, de l'Oilbash Gever. Le Tilbash Isha Simlat Gever, là-bas, il est traduit dans le Yonatan, qu'une femme n'aura pas le droit de prendre une arme, tout simplement, elle n'a pas le droit de avec une arme. Et au même titre qu'elle n'a pas le droit de mettre des habits d'hommes, une arme, c'est un travail pour les hommes, elle laisse ça pour les hommes et elle ne le fait pas. D'accord? Et si elle habite dans les Shtachim, c'est une autre question, c'est de la défense, j'en sais rien. Mais en tout cas, de manière générale, non. Ensuite, on a donc, pour le moment, on a donc. Le premier avis de la Mishnah qui nous dit, écoute-moi, on parle ici de deux mitzvot, de deux types de guerres. Il y a une guerre que c'est si on veut, c'est optionnel, c'est pas imposé, mais il y a des guerres qui sont imposées par la Torah, t'es obligé, c'est des mitzvot de la Torah, il faudra que tu, dans ce cas-là, dès qu'il s'agit de mitzvah, on fait plus de sélection, tout le monde doit partir. Ça c'est le premier avis. On va expliquer après exactement quoi. Amar Rabbi Yehuda, sur ça, il vient Rabbi Yehuda, il nous corrige, il dit non. Dans quel cas ça a été dit, toutes nos Mishnayot, qu'il faut faire cette sélection. Les Milchemet Mitzvah, lorsque tu vas faire une guerre de Mitzvah, Aval, les Milchemet Rova, mais par contre, pour une guerre qui est imposée par la Torah, donc si vous faites attention, on a le mot Reshut, on a le mot Mitzvah, et on a le mot Rova. Retenez bien. A Kol Yotzin, tout le monde devra sortir, Afilu Chatan Mechedro, Vechalam Mechupata, même un Chatan qui vient de se marier, il devra sortir de sa Chupa. Et la Kala aussi, et venir aussi aider à la guerre, pour mettre la main à la pâte. D'accord? Soit, maintenant on va récapituler un petit peu, il y a une petite difficulté à comprendre dans précisément cette Mishnah, mais regardez bien, on a parlé de trois sortes de guerres. Il y a ce qu'on appelle Milchemet Reshut,
La Torah ne nous a pas demandé de le faire, il n'y a aucune mitzvah, aucune nécessité. Tu as un pur besoin, comme il nous rapportait, c'est à l'époque où le monde se dirigeait avec des guerres à tout va, lorsqu'on n'avait pas assez d'argent chez nous, on partait chez le voisin, on le tuait, on le massacrait, on prenait son argent. C'était comme ça que le monde se dirigeait. David Amener avait conquis plein de... Il imposait des missiles. On étalait un empire. Il y avait le monde des empires à l'époque, avant qu'il y ait l'ONU qui vienne diriger le monde à sa manière. Eh bien, il y avait la loi du plus fort, c'est la jungle, le monde entier était une grande jungle entière, c'était légitime et cautionné, et voilà. Il y avait le plus grand empire qui s'emparait du maximum de terre, il y avait toujours ce désir d'empire de s'élargir au maximum. Achashverosh, il a dominé 127 provinces, il y avait le Babel, il a eu tout le pays. David HaMelech, Shomolach, ils ont conquis tout le monde, d'accord. C'était la manière de vivre à l'époque. Et voilà, comme à l'époque des colonies aussi, jusqu'à pas longtemps. Et donc, maintenant, tout ce qu'on fait, toutes ces conquêtes qu'on fait, ça s'appelle des milchemet reshut. C'est-à-dire quoi, milchemet reshut? Si tu veux, c'est optionnel. C'est pas du tout requis, t'as le droit, t'as besoin de te nourrir, t'as passé à manger chez toi, il y a plus à manger chez le voisin, tu le fais. Ça c'est milchemet reshut. À l'autre extrémité maintenant, il y a des guerres que la Torah a imposé de faire, soit conquérir la terre d'Israël avec les sept peuples, et détruire aussi Amalek, c'est une obligation. Et donc, premièrement, déjà, on va déjà poser cet axiome-là, qui est évident, d'après tout le monde. Lorsque c'est une milchemet reshut, alors, milchemet reshut, une guerre que, si tu veux, c'est optionnel, là, on fait tout le rituel qu'on a explicité dans ce chapitre. Mais lorsque c'est une guerre imposée par la Torah, où la Torah nous dit, tu vas, tu fais la guerre, alors ça s'appelle Milchemet Rova, quoi qu'il arrive, tout le monde part, même le Khatan et même la Kala. Il y a maintenant la Machloket, pour comprendre exactement la Machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est sur un détail assez particulier. C'est lorsque c'est une guerre que la Torah n'a pas imposée concrètement, dans le sens, va détruire l'autre, mais la Torah l'impose pour une autre raison, c'est qu'on est menacé par des voisins. On a par exemple les méchants Gazaouis qui nous font des grandes misères, ou bien, d'où ils sont, du Liban, et dans ce cas-là, on ne peut pas, maintenant, il y a maintenant un risque de danger, tous les 3-4 jours, ils nous jettent un missile, donc dans ce cas-là, il faut absolument maintenant pour se défendre. C'est-à-dire que la Torah n'a pas imposé de partir, détruire ces Gazaouis, dans le sens, c'est pas une autre Amitmiza, c'est pas Amalek, c'est pas les sept peuples. D'un autre côté, c'est pas non plus, on va pas faire la guerre parce que ça nous amuse et qu'on a besoin de plus d'argent ou plus de terre. Là n'est pas la question. On a un vrai problème de pikuach nefesh. On est sans arrêt agressé. Donc en fait, c'est ce qu'on appelait dans la Mishnah avec le niveau intermédiaire que milchemet mitzvah. C'est pas chova, c'est pas reshut, c'est mitzvah. C'est pas chova dans le sens, il faut détruire l'ennemi. On s'en moque de détruire l'ennemi en théorie. Mais c'est pas non plus reshut que c'est optionnel. C'est pas du tout optionnel, c'est impératif d'aller le tuer. Pourquoi? Parce que maintenant on est menacé par lui. Il fallait le tuer. C'est ce qu'on appelait mitzvah. Et c'est sur ça qu'il y a la marloquette. En fait, ils ont parlé chacun avec le même style, mais en fait, c'était juste pour est-ce qu'il fallait inclure ça ou pas. Selon Tanakama, il nous dit Milchemet mitzvah, même pour partir se défendre à cause de l'ennemi qui nous agresse. Alors même sur ça, ça s'appelle Milchemet mitzvah, et dans ce cas-là, on sort tous. Même le Khatan et même la Kala. À la différence de Rabbi Yehuda qui va nous dire non. Ça, c'est ce type de Milchemet mitzvah, étant donné qu'on n'a pas une cause spéciale, la Torah n'a pas imposé de partir faire la guerre pour détruire cet ennemi-là. Il y a juste concrètement, tu as besoin de te défendre, donc il faut forcément lui mettre une claque. Dans ce cas-là, ça, c'est le type de milchemet mitzvah, alors là, tu n'es plus... c'est là où on va faire tout, même dans cette situation, on va déjà faire aussi le rituel, de dire que les gens motivés qui partent, et pas tout le monde. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine, c'est là.